Il a pris le fusil. C'est bête, c'est toute sa vie. Qu'est-ce que tu fais avec un fusil? On va discuter, on va trouver une solution. Écoute-moi, Julien, fais pas le con. Pose cette arme. Pense aux gens qui t'aiment. Julien, pose cette arme! Xavier Beauvois signe un film absolument sublime avec Albatros, dans lequel il dirige Jérémy Régnier et Marie-Julie Maille. Salut les jeunes. Salut Laurent, ça va? Comment il va? Il s'est inspiré d'un fait divers qu'il a lu dans un article de journal pour raconter l'histoire d'un gendarme dans la région d'Étretat qui va commettre l'irréparable et avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à accepter sa culpabilité. Le film sonne juste parce qu'il montre une Normandie méconnue, une Normandie que le réalisateur connaît bien puisqu'il y habite avec sa famille depuis des années. Albatros, c'est beau, c'est magnifique, c'est à la fois nihiliste et romantique. Xavier Beauvois ne met pas les petites gens dos à dos. Il montre à quel point une société cruelle peut les détruire et les prendre dans son engrenage. Son film n'est pas seulement beau, il peut être considéré comme magnifique, indispensable à voir absolument. J'ai voulu le raisonner, je voulais juste qu'il lâche son arme. Il nous abandonne là, il est en train de faire une énorme connerie. Je voulais le sauver, je l'ai tué.